À travers vous, la population qui a répondu massivement à l'appel que nous avons lancé sur la manifestation d'aujourd'hui. Elle visait principalement à dire non à la désignation, je dirais, frauduleuse, non consensuelle, non transparente des animateurs de la CENI. C'était ça le sens aujourd'hui de la manifestation que nous avons appelée. Quel bilan pouvez-vous dresser ? Je pense qu'il est satisfaisant en termes de mobilisation. J'ai eu les autorités de la police pour les féliciter aussi, de l'encadrement qu'il y a eu. Ainsi qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas d'actes de pillage ou de destruction. Quelle reste la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération auront compris le message de la population, j'espère. Quelle est la contre-proposition que l'AMUKA apporte par rapport à ce refus de la candidature de Ransard Malonda? C'est simplement respecter ce que la loi exige au niveau de la CENI, c'est-à-dire un consensus au niveau de la société civile. Consensus qui n'a jamais été obtenu. Ça s'est fait d'une manière cavalière, je crois que tout le monde avait vu les images et entendu parler de la manière dont les choses se sont passées ici. Est-ce que vous avez la situation générale du pays? Oui. En tout cas, j'ai eu toutes les informations, toutes les images au niveau de toutes les fédérations à l'intérieur du pays, les 60 fédérations à l'intérieur du pays. Bien sûr, on doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes également, certains territoires, certaines provinces. Mais je veux dire, d'une manière globale, en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Vous avez été choqué tout à l'heure des gaz lacrymogènes tirés par la police? Je pense que la police a voulu à un moment donné ne pas permettre qu'on aille au-delà du pont Matete. Ça s'est passé dans le calme, mais il n'y a pas de problème. Donc l'essentiel a été fait? Ça a été fait, le message a été envoyé. Merci. Naningala Mouké, président, pour la Congolais, pour la Kililo, pour retenir pour la marche à l'île. Non, on va retenir d'abord que le petit Baron, merci. Merci Mingi, petit Penza, merci. Denga, Salissi Bissot, Tamoli, Malembe. Kimia et Zalaki, on peut appeler merci la police pour l'encadrement. Et là, surtout à Liboso, c'est que le rapport n'a pas niveau à la police, c'est que Moutoumoko a quitté, Moutoumoko a profité. PBC et PBLOKO ont Moutoumokoté. Et ça, c'était vraiment aussi un point qui était important, une marche pacifique. Situation Yamboka Mobimba, est-ce que vous avez vu? Dans une situation Yamboka Mobimba, à part Bakar, il y a la province, Moussou, ceci, Pikissi, Nicolabiso, Batamboula. Mais malgré ça, Mekiko Bravé, et puis l'Okonyon, celui qui est malade, Naoki, et l'Okomoko Yamabite. Objectif, ça atteint? Objectif à atteindre dans le cadre de la mobilisation, oui, mais tous les lacico ceux qui ont un message aux populations à Tindelipe, à Konziroyo, ils ont imposé animateur Yasseni. Bobo Imalonda, mais Lingi Nani Azala Mansi. Non, Ezali Moussala, il y a société civile. Mais vous voyez que la société civile a un motopon à Séni, mais qu'on a un impact au niveau de la population, puisque Yende a compris sa résultat à l'élection. Là, quand Tolingi sous-souté, c'est que le Kouta Ezala n'a pas résultat à l'élection. Donc Tolingi Moto Azali n'a pas Sembo, Azali Pé n'a pas Sembo, et puis Azali honnête. C'est surtout ça que Bissot Tozou. Merci. Au cas où va changer Moutouté, maintenant, décision la mieux qu'on a l'année. Eh bien, décision, il faudra tout coûter, et tout à l'heure, c'est quoi le connu, tout ça. Mais tu vas faire la paix, tu vas faire que tu fasses ma peau. Marche va continuer, la marche monsieur. Quota là, ça ne dépend pas que de moi. Il faut que qu'on s'en suspecte ça la manivelle à la partie. Merci. En tout cas, merci. Merci.